Bien. Merci. Vous avez beaucoup d'idées et beaucoup de personnalité. Merci. Et c'est réalisé avec un bon goût. Alors, j'aime beaucoup. Merci. On peut toujours faire mieux et je peux faire quelques suggestions dans des petites choses. D'abord, c'est une des premières sonates de Beethoven et c'est dédié à Haydn. Mais quand même, c'est très personnel. Déjà, ce n'est pas du tout Haydn, c'est Beethoven. Et ça, vous avez bien capturé son côté plus symphonique, d'une dimension plus grande. Et aussi, ce qui était différent de ces sonates de Beethoven dès le début, de Haydn et Mozart, et qu'il a osé de faire 4 mouvements. Avant lui, c'était que 3 mouvements, mais il a vu ça beaucoup plus en quatuor ou des symphonies. Alors, il a agrandi les dimensions, et ça, je crois qu'il faut tout de suite montrer. Et tout ce que vous avez fait était très bien. Probablement, on peut encore agrandir les dimensions. Plusieurs choses. Il faut être flexible dans Beethoven. Ça, Beethoven n'est pas du tout l'idée où on pense c'est académique, c'est dur, c'est inflexible. Non, il a beaucoup de sens d'humeur et ça doit être flexible. Certaines choses, il faut quand même que la flexibilité ne soit pas perçue. Ça doit être comme un clin d'œil en pensant « Oh, c'est différent !» ou avoir « Oh, c'est comme ça, mais pas penser, oh, c'est carrément différent. Il ne faut pas, si c'est raté quand des gens se rendent compte que c'est différent. Alors, on commence par le début. Vous pouvez recommencer le début? Oui, très bien. C'est difficile, hein, ce début. Est-ce que vous pouvez faire que la note haute? Oui, ce qui est important, parce que ça revient toujours dans tout le premier mouvement. Et arrêtez. Okay. Et ne continuez pas. Ok, juste faire. Oui. Oui, mais avec mi. Non, fa mi doit être très clair. Fa mi. Et pas d'accent. Fa mi. Oui, mais vous pressez. Moi, j'entends le mi plus fort que le fa. Oui. Vous aussi? Oui. Voilà. Et vous ne devez pas penser qu'il y a un ré sol après. Et puis, sol, c'est autre chose. Fa, mi, fa, 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 fa. Mi, do. Ok. Si vous pouvez réussir à faire ça avec 7 volumes, ça veut dire que le bas, tout, si ce serait tout, doit être moins fort. Ça va être vraiment tout de suite, vous allez avoir le goosebump. À la maison, et puis c'est au lieu de faire ta 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 ta, c'est ta ta, alors c'est un joke. Alors il faut que ce n'est pas ta ta, c'est ta ta, et puis ta 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 ta. Il y a beaucoup de choses dans cette petite ouais, mesure. Ouais. Vous pouvez essayer? Ouais. Prenez un peu de temps, ta 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 ta. Ne plongez pas sur le sol. Ré, si, sol, do, ta 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 ta. Okay.
question. Le thème, là, c'est Deutsch, mais c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent que le premier thème. C'est exprès, j'imagine, oui. Plus calme. Mais je veux pas, j'ai pas, c'est pas volontaire que ça c'est soit pas beaucoup plus lent. Okay. Là, c'est beaucoup plus lent. Ok. Alors, disons que c'est à quatre temps, n'est-ce pas? Allegro con brio. Essayez de juste penser, de garder le même tempo, mais penser à deux, par exemple. Okay. Oui. Et vous pouvez essayer un peu avant. Beethoven et que les harmonies soient legato. Par exemple, ré do ré mi ré do si la so, ça doit être très soigneusement collé. Et la même chose, ta 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 ta, cette stitch doit pas se sentir. Vous pouvez essayer de vraiment soigner la transition des harmonies. Okay. Encore une fois, la mélodie est très bien. Okay. Pas besoin de penser. Vous pouvez faire? Oui. Sans ralentir. Oui. Oui, c'est bien, c'est très bien. Ce qui me dérange toujours est ta-la-la-la-la-la-la-la-la, j'entends pas l'arrivée. Ok. Et c'est pour ça que ça disparaît un peu et ça fait des petits morceaux et on sait pas où on va. Ok. Oui. Ouais. Trop doux. Oui. Et il faut être très firme de ce qu'on fait, et si vous continuez comme ça va faire une mesure par mesure, et comme ça ne va pas devenir, ça ne va pas traîner, et dedans cette mesure par mesure vous pouvez être flexible. Oui. Et comme ça personne va penser que c'est plus lent ou flexible, mais tout le monde va penser oh c'est différent, c'est beau. Mmh. Mais ça reste un peu dans le caractère. Ok, okay? Le reste était très bien. Un conseil dans le développement. Ah oui, avant ça. Vous pouvez refaire ça? Oui. Dans le développement? Oui. Ou... essayez de faire quelque chose comme un diminuendo ou un crescendo diminuendo dedans le tri. Okay. C'est difficile, hein? Oui. Oui, avec les doigts en plus. Oui. Oui. Okay. Faites presque pas la main gauche, mais que la main droite dans le tri. Okay. N'essayez de pas faire égal, mais la main gauche est juste une sorte de shade de la main droite. Okay. Essayez encore. Passage difficile. Hein? Ouais. Je vous conseille de jouer plus lent, mais presque chaque note, ta-la-la-la, ta-la-la-la, qu'on entend vraiment chaque note. Et après, quand vous êtes au milieu de deuxième mesure, vous pouvez peut-être un peu tricher, mais au moins le début, les trois, ta-la-ta-la-ta-la-ta-la-ta-la-ta-la, et après vous pouvez tricher un peu. Mais prenez le temps, mais jouez chaque note. Okay. Okay? Okay. Chaque note ne peut pas dire chaque note de même
volume, ta ra la la, essaie de phraser. Fa, ré un peu moins fort, la bémol moins fort, fa, encore moins fort, et puis recommencez fort. Vous pouvez essayer, je sais c'est difficile, mais... Pas d'accent. La 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 la. Ok, pas ok. Oui. Et puis après, moins. Après les deuxièmes mesures, vous pouvez faire un peu moins pour se reposer les mains, parce qu'après, il faut réattaquer encore une fois. Oh, oui. Mais vraiment, utiliser toute la force au début, surtout en haut. Parce que si on entend ça, ça donne beaucoup plus de puissance. Même si vous jouez plus lent, on a l'impression que c'est plus vite. Okay. D'accord? J'aime ça. Mais da 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 da, et puis oui. Garder vraiment chaque note et pas faire une pause entre des accords. Mm-hmm. Mais allez, mais la pause vous le faites en ne jouant pas trop fort, mais n'allez pas plus vite. Même si c'est moins fort, restez dans le tempo et n'échangez absolument pas le tempo. La respiration vient quand vous jouez un peu moins fort, mais ça ne doit pas s'entendre. Et puis vous allez vraiment éblouir tout le monde. Vous pouvez essayer. Non, 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 pas de rubato. Oui. C'est pas ta 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 ta, c'est da 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 da. Travailler là-dessus, surtout le stitch, la transition, quand l'accord vient. Okay. Vous voyez, quand il y a un changement d'accord, que la main droite ne fasse pas une petite pause, mais que ça fasse ta 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 ta, okay. Juste comme ça. Okay. Et puis ça va être très puissant. Okay. Et après, on va continuer parce que ça vient encore le motif ta 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 ta, mais c'est toujours la même chose. Ta 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 ta, ça doit toujours rester très précis. Okay. Okay. On continue? Restez en tempo, mais pensons à deux. Tam, pam, deux. Ta, 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 ta. Et puis, ta, et puis vous pensez à deux. Et comme ça, ça va aller plus vite. C'est différent, sans que vous changez un peu à droite et à gauche le tempo. Et ça revient encore à quatre. Ta, 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 ta. Ce n'est plus à deux, mais c'est comme ça. Et après, vous pouvez aller à beaucoup plus lent dans la tête. Où il faut prendre le temps, c'est très précis, et puis vous pouvez faire le process, all the information I'm saying. Yeah? Ok, essayez encore. Thank you.
c'est très bien. Et une dernière chose, ne pressez pas, prenez bien le temps, toujours avant, ah oui. Parce qu'après vous allez vous sentir étranglé par le... C'est trop court la note avant. Okay. Plus qu'il y a la note, vous allez vous sentir pas agressé oui. Après avec le temps. Okay. Oui. Alors ça, c'était très bien. Sinon, vous pouvez refaire la cadence. Oui. À partir de... Oui. Mmh. Vous savez que Beethoven était un très bon improvisateur. Alors, je ne sais pas si vous jouez du jazz. Non. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez une harmonie et puis vous improvisez. Et puis, après, vous pensez, ah, peut-être que ça peut aller comme ça, puis vous faites une harmonie. Essayez de penser que vous improvisez. Okay. Ça veut dire que le timing doit être ta 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 ta, et après, vous cherchez ta 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 ta, puis ta 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 ta. Il faut un peu tricher vous-même, que vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous laissez dans l'air, aujourd'hui c'est peut-être différent que demain, essayez de vraiment, comme on dit, tricher vous-même pour tricher l'audience aussi. Okay. C'est comme ça. Et même, vous pouvez faire un tout petit peu autre chose si vous avez un peu envie un jour. Très bien. Et on va passer à la cadence. Continuez. Oui, j'entends pas les si, mais il faut entendre l'harmonie. Ré, fa, si. Oui, et ça résoudre où? Voilà. Et pour avoir la résolution, il faut entendre ré, fa, si. Et la même chose, ré, si, et puis vous entendez. Et puis on va faire ta, 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 ta. La prochaine, c'est ta, 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 ta. À chaque fois, il faut entendre ça et puis jouer. Okay.
chaque fois écouter. Ok. Allez, allez. Et puis après vous y allez. Ok. Écoutez.